La route du front en Bretagne nous a conduit à Lorient, premier port de pêche pour la criée en France. C'est dans ce contexte que la logistique du transport de produits de la marée sous température dirigée prend toute sa valeur. C'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de mieux comprendre avec la visite de l'agence Lamberet Service Ouest, située à quelques pas. Erwan Guillou, vous êtes le directeur de l'agence Lamberet Service Ouest à Lorient. En quoi consiste votre activité? Alors Lamberet Service Ouest à Lorient, on est donc une antenne de Lamberet. On assure le SAV de l'ensemble de nos marques, que ce soit Lamberet, Kerstner, sur la région Bretagne et Grand Ouest. Donc ici vous avez toute la zone de stockage pièces pour distribuer et réparer donc toutes nos marques et nous stockons également une multitude d'autres marques. Ici nous sommes dans l'atelier de plasturgie, c'est la première étape de toute réparation où on va être amené à décortiquer en fonction de la réparation qui va être amenée à être faite. Donc aussi bien le châssis, mais également le plancher, les faces latérales, le pavillon. On va être amené aussi à refaire intégralement l'ensemble des planchers avec donc un gel coat, avec du coranon et le platelage également. Donc ici on est devant la cabine de peinture, étape indispensable pour avoir un bon rendu esthétiquement suite aux réparations. Et à côté vous avez les tubes. Donc du centre de test SEMAFROID, puisque Lamberet Service Ouest est agréé contrôleur SEMAFROID. Nous sommes ici dans la partie montage des groupes frigorifiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc là, c'est l'étape finale dans le cadre d'une installation soit sur un châssis, soit sur une installation isolée. L'agence de Lamberet Service Ouest, c'est principalement la maintenance. Cependant, je vois qu'il y a aussi des cellules intégrées qui sont en cours de pose. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, donc sur Lorient, on a une spécificité, c'est de pouvoir faire soit de l'isolation intégrée, donc comme vous voyez ici, soit faire de la caisse rapportée, donc comme on voit en cours de montage là-bas. Lorient, on carrosse entre 100 et 120 véhicules par an, aussi bien en fourgon, donc on fait 50% de fourgon, 50% de caisse rapportée. Et avec après donc la possibilité de mettre soit un groupe, soit comme ici, en rester en IR, c'est-à-dire une isolation toute simple, renforcée.